C'est un quart de finale qui nous attend aujourd'hui, Pierre. Quart de finale, oui, quand on fait partie des 8 dernières équipes, la pression s'invite au rendez-vous, ça me paraît inévitable. Pierre, France-Brésil. On a tout dit quand on a dit France-Brésil. Bah, déjà, c'est une affiche qui fait rêver. Puis en plus, pour nous, Français, c'est quand même des bons souvenirs. Hein. C'est vrai qu'on reste sur 3 victoires majeures face aux Brésiliens en compétition, en tout cas. Pas grand monde qui peut dire ça. La composition de l'équipe, on se dirige vers, comme d'habitude, plutôt une équipe qui va jouer la contre-attaque. Hein. Ouais, t'as tout dit Hervé, c'est leur façon de jouer, on le sait. Et je vois mal l'entraîneur tout changer comme ça sur un coup de tête. Et comme tu dis, quand on voit la compo, bah, on a tous compris ce qui allait se passer. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi, ce sont les Français qui engagent. Antoine Griezmann. Ouais, peut-être une situation... Pogba, ah, c'est manqué de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé, de peu, mais c'est loupé. Thomas Lemar qui perd ce ballon sur cette passe. Neymar, Gabriel Jesus. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Fabinho, alors est-ce qu'il peut se saisir de ce ballon? C'est intercepté par Neymar. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Et l'attaque va s'arrêter là. Emeric Laporte. Malcolm. Le long de la ligne de touche. Raphaël Varane. Kanté. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Casemiro. Gabriel Jesus, Dodo, Fabinho, Malcolm. Et le ballon qui est finalement perdu. Kylian Mbappé. Ouais, bien servi Antoine Griezmann. Oh, le bel arrêt, ouais, excellent. Très très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Il a cherché le point de pénalité. Kylian Mbappé. Oh, superbe intervention du gardien. La tête était très bien ajustée. On n'était pas loin du but là. Benjamin Mendy. Kanté. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Il choisit la frappe. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Dodo. Fabinho. Gabriel Jesus. Emeric Laporte. Laporte. Benjamin Mendy. Kylian Mbappé. Le défenseur qui sauve et qui dégage ce ballon. Paul Pogba. N'Golo Kanté. Antoine Griezmann qui frappe. Oh, le plongeon du gardien, magnifique. Dodo. Malcolm.
Gabriel Jesus. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Ah ouais, les mains sûres du gardien. Neymar. Ouais, il est bien placé pour centrer. Alex Telles. Il tacle. Paul Pogba. Emeric Laporte. Loris. Antoine Griezmann. Lemar. Antoine Griez. Il prend la frappe. Oh, la transversale. Attention, c'est pas fini, ça continue. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Paul Pogba. Lemar. Le tir. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ce quart de finale qui reste toujours aussi ouvert après 45 minutes de jeu. Absolument, personne n'a pris le match à son compte. Les deux équipes s'appliquent à défendre. Maintenant, il va falloir un petit grain de folie là-dedans pour que quelqu'un l'emporte. Un match qui reprend à l'instant avec le Brésil qui engage cette fois. Gabriel Jesus. Ils attendent une ouverture dans la défense. Gabriel Jesus. Thomas Lemar. Kylian Mbappé. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Le centre, c'est pour Griezmann. Là, les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Malcolm. Ah, ça joue physique, hein. Il fait ce qu'il faut pour conserver le ballon. Thomas Lemar. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe, complètement à l'adversaire direct. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, Marc qui est trouvé sur l'aile. Griezmann. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Mbappé en bonne position. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Un ballon magnifiquement distillé, bien dosé, Pierre. Ça vient frôler la base du montant. C'est la grande précision, c'est de l'horlogerie. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. L'équipe de France qui mène au score. Fabinho, Felipe, Malcolm. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Mbappé. Anthony Martial. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ouais, la bonne passe en profondeur de Griezmann. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Ça fait deux buts. Deux buts marqués vraiment coup sur coup. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. ...2-0, ils ont à présent une avance confortable. Fabinho, Malcolm.
les 20 dernières minutes. Hein, nous y sommes. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Thomas Lemar. Casemiro. Marquinhos. Alex Telles. Ah oui, parfaite la récupération. Ce dégagement qui file en touche. Ah, l'entraîneur, il ose en tout cas. C'est plutôt bon signe pour la fin de match. Coutinho. Alex Telles. Gabriel Jesus. Coutinho. La faute. Attention là au jaune avec ce tacle un peu limite. Carton jaune et surtout un coup franc dangereux à suivre. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard et il commet la faute. Ah, le bon plongeon du Goloris. Et ce sera corner pour le Brésil. Le gardien montre qu'il a su rester concentré sur ce ballon. Belle lecture de la trajectoire. Ouais, corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. 7 minutes à jouer dans ce match. Ah oui, c'est bien fait ça. L'appel de balle et la passe en profondeur. Ouais, dégager ce ballon, c'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Le ballon en touche, équipe de France qui va effectuer la remise en jeu. D'un côté brésilien, un remplaçant va faire son entrée. Avec la sortie de Carlos Casemiro. Anthony Martial. Ouais, la passe n'arrivera pas à destination. Mendy. Kanté. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Alex Telles. Ah, la bonne qualité de ses passes. Fabinho. Alex Telles. On en restera là. C'est terminé à l'instant. Ils obtiennent cette victoire sur le score de 2-0. Ah, ce quart de finale du championnat du monde qui se termine bien pour cette sélection. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Un match intéressant avec un but bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui.